Hey, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil. Alors pour moi ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Bon, je vous demande pas pourquoi j'ai pas joué depuis un moment, certainement parce que je chie à mon froc. Donc bah voilà, je crois qu'on en était là, ça a ouvert de ce côté là il me semble. Arrivé par un souterrain, il me semble, de là, voilà exactement par là, et on en était arrivé par ici, et on entend des bruits de bestioles. C'est très rassurant, n'est-ce pas? Donc on peut aller soit là-bas, soit là-bas. Photo d'un trésor. Cela ne me dit rien qui vaille. Par ici, c'est verrouillé. Chier dessus comme une merde. Bon, là il y a de la vie. Pour ce qui est de la lampe, je ne sais plus comment on fait pour l'éteindre ou pas. Ça lagouille un peu. Une grille bloc laxée. Comme si on l'a pas buté. Cartouche pour fusil. J'ai pas la fosse. Ça fait des drôles de bruit par ici, j'aime pas trop. Petit costumé, on s'en fout. Verrouillé de l'autre côté. L'étage, on ira tout à l'heure. Hein. Putain, il y a des bêtes. Il arrive où? C'est bon, tu as ouvert. Fertilisant. Salope.
Me voilà. De Dieu. Me voilà où? Puis j'ai plus de balles. Putain, je suis tombé. Tu ne peux pas t'enfuir, enfant des villes. Je sais pas où je suis. C'est derrière, c'est sur le côté, c'est où, putain? Allez, l'offre. Et tire-lui dans le cul. C'est quoi ça? Que je vais finir par t'en mettre dans le cul encore. Viens avec moi maintenant, qu'on en finisse. Rose Dand. Allez, ramène ta étrange. T'es où la grosse? Merde, y'a un mec. Tu crois, mais comme ça. Je suis mort ou quoi? Je suis pas encore mort. Faut que je recharge. Je me barre. Le nid, le sein, il m'attaque. Et fais chier lui. Elle me bouffe en fait. Tu vas mourir. Ouais, bah toi aussi. Tu finiras bien par claquer. Ah.
M'entendez pas celle-là. Elle se déboit la coquine. Ah bah voilà. Reste mort cette fois, ok? Putain. Bah voilà, la grosse, elle est morte. Alors qu'est-ce que je peux faire avec sa lanterne? Je peux l'utiliser ou pas? Apparemment, elle servait pour contrôler les insectes. Ouais, je me rappelle maintenant. On était arrivé par là, il y a ça, il y a elle, elle a une pièce, il faut une lampe pour pouvoir l'ouvrir. Donc on va aller à la pièce de là où en fait on l'avait vu arriver en espèce d'araignée là. Donc on va repasser par là dans le puits assez sombre, on va retomber dans la vieille baraque de l'autre côté. Là on va passer l'échelle. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai eu du mal. Là on a la clé corbeau. Voilà, et là-haut, normalement il y avait un truc pour pouvoir ouvrir. S'il n'y a rien, j'ai déjà fait le tour, ok. Hop 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 hop. Voilà, c'est ouvert. Un crocodile. Pourquoi, mais je sens qu'on va encore rigoler 2 minutes ici. Ouais. On balance un ballon. Moi je me gêne. My family. Ça bouge tout seul. Je vous ai dit, c'est la maison. Elle bouge un peu. Oh, des bébés creepy. C'est magnifique. Quelqu'un? C'est barricadé. Ça me rassure pas trop. Quelque chose ne va pas chez elle. C'est beau ça.
t'approche pas. Bien. Pas de problème, je vais pas m'approcher, je veux juste un bras. Bien qu'à droite de l'eau de Javel. Petite fille. Salut! C'est le bras, oui. C'est le bras de la petite fille qui parle. Oh mon dieu! J'imagine que c'est ça. Ouais. Coucou! Ma petite fille. On va le laisser rentrer, hein. Bien. Allez, on se fasse. Ouais, sans douter, il y en a plein. Normalement, il y en a d'autres. C'est bon. Entre deux, il doit plus y en avoir, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Together. Je t'attends dans la caravane. Ok. D'accord. Bah, j'arrive. Je vois la caravane. Stay together. Je suis là. Bah, t'es pas là. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Hé, hey, mon pote, j'ai un truc à te dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia sont avec moi. Mutuellement compagnie. Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non. C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé. Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher. Je te la donnerai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas. Elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Oh, allez, sois pas si agressif.
inoffensif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Oui, monsieur, on va regarder dans le frigo. J'avais déjà regardé, je comprends pas pourquoi je dois regarder à nouveau. Le flic t'attend dans la salle de dissection tocard. Ouvert, c'est quoi ça? Un lance-grenade? Allez, on descend. Wesh, mamie, bien ou bien? Il y a longtemps que je n'ai pas vu. C'est quoi ce bordel? Un corps du châtre se dégage, il est en train de pourrir. Son corps doit être en état de rigor mortis. Les articulations sont raides. Ferme ça, s'il te plaît. Prouve que t'es un homme, plonge ta main dans la gorge de ce flic. Ah, non. Oui. Désolé, Vivre. Donc, la fessière. Cette petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. Merde, merde, merde. Putain, putain, je vais te bloquer. C'est bon. C'est bon. Hop, 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 hop. Merde. Allez, allez, allez. Coucou, ami.
Jack rejoint les marines. La même heure que sur toutes les autres horloges. Ah, il va falloir aller voir là. Bon, du coup, j'ai une mission avec les horloges. Les horloges, je crois qu'il y en a une dans l'autre maison, dans l'autre partie de la maison. Et il doit y en avoir une avec. Ouais, il y en a une longue. 10h15. Ah, ça va ouvrir un truc. Attends, il est dans l'autre sens, ça va plus vite. Mamie, tu m'en veux pas, je reste là, je reviens dans 5 minutes. Ah ouais, maman m'a emmené à l'hôpital de la ville, ils ont pris une photo de me taquiner, il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête. J'ai menti à Olivier, je lui ai dit de venir pour ma fête d'anniversaire et puis je l'ai enfermé dans le grenier. Pour que cette idiote de Zoé ne puisse pas y aller dans le grenier. Je l'ai combiné avec l'un de mes trophées d'inventeur. Elle ne le trouvera jamais. Un trophée d'inventeur. C'est pas ça. Championnat de robotique amateur. Ça va peut-être. Troisième concours, le plus jeune ingénieur, deuxième place. Il est cassé. Olivier arrêtait de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Ça pue. C'est un psychopathe, le gars. Bon, on s'apprête à voir un mort. Wesh. Bonjour. Joyeux anniversaire. Il y a une cassette à lire. Il faut retrouver un objet. Presque. Et... Voilà. Est attiré le jugement. Il représente une femme à genoux devant la foule. Carte d'accès bleue. Bon, on en a une sur deux. Et une cassette. J'espère que cette vidéo sur Resident Evil vous aura fait plaisir. J'ai un petit peu peur. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, des bisous bisous. Salut.